ça c'est une division faite le 31 mars. Donc normalement il n'y avait pas de reine, j'avais pas pris la reine. Et voilà, il y avait une cellule royale. On va vérifier s'il y a de la ponte et voir si, si ça nécessite d'agrandir ou pas. Je n'y ai pas touché depuis le 31 mars, donc ça fait un peu plus d'un mois. Ça, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, on a un petit peu de nectar qui rentre. Les abeilles sont calmes. Ça veut quand même dire quelque chose. Je vais essayer de recentrer un petit peu le... Si je vois de la ponte, je vais tout recentrer. Ce sera plus facile à agrandir par la suite. Voilà, ça c'est lourd. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai beaucoup de pollen, je ne sais pas si vous le voyez, il est de toutes les couleurs. Voilà. Très joli, il y a encore quelques mâles qui ont le droit d'être là. C'est pondu, alors voilà, je pense pas que vous le verrez, mais tout ce rond là, en fait on voit tout ce qui est nettoyé, tout ici là, tout ça c'est pondu. Donc on va aller voir le reste. Petit rond de couvain, mais tout est pondu. Voilà, tout ça en fait, tout ça c'est pondu. Là on peut voir une abeille qui a des pattes rouges, je sais pas trop ce que c'est comme pollen, rouge comme ça. Voilà, tout ça c'est pondu aussi. J'aimerais bien voir la reine pour voir de quelle couleur elle est. On va essayer de faire doucement. Ça c'est un essaim qui va, quand il va partir, il va bien partir. Il y a beaucoup de couvain. Ah ben on a déjà des belles plaques de couvain operculé. Donc voilà, on peut le voir là aussi. Tout ça c'est une plaque de couvain. Donc la reine apparemment a été bien fécondée. Et là on peut voir une amusette. Voilà. Donc je pense qu'il n'y avait qu'une seule cellule royale qui a dû naître, parce que pour l'instant j'ai pas vu de cellule royale. Laisser grandir ça, et la semaine prochaine je pense qu'à mon avis il faudra que je rajoute des cadres. Ah ben t'es, elle est là la cellule royale. Voilà, et tout ça c'est pondu aussi. Et regardez les cellules royales qui ont été utilisées, vous voyez, elles sont là. Et alors celle là elle est née. J'enlève tout ça bien sûr. Celle-là elle est née. Celle-là elle a été, je sais pas. Voilà, donc je casse tout ça bien sûr. Le but c'est pas de... C'est que la prochaine fois que je passe... Voilà, bon, mais tout est pondu ici. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vais mettre un cadre déjà bâti. Bon, j'ai pas de cadre bâti, enfin complètement, j'ai ça, un cadrage en bâche qui a déjà, bon là il y a beaucoup de cellules de mâles, mais là c'est des cellules d'ouvrières, on peut voir qu'il y a déjà eu du couvain. Donc ça leur permettra un peu de stocker si elles veulent, et puis moi-même ça me permettra de voir à quel moment elles vont commencer à bâtir.